Bonjour, nous, moi c'est Toto et mes filles sont les filles des îles. Je suis président de l'association Maïdo en Cascazampay à Strasbourg. Aujourd'hui nous participons à ce printemps pour créole de Lorraine, tout simplement parce que c'est, on fait ça volontairement, comment dire, pour nous représenter le peuple africain, le peuple, tout le peuple qui existe, et favoriser cet échange culturellement, artisanalement. Donc nous, c'est une fierté pour nous de quitter Strasbourg, de représenter la Réunion et Strasbourg aussi en Moselle. Je peux vous dire qu'ici l'accueil est chaleureux, il y a du monde, ça a l'air de bien fonctionner le printemps afro-créole. C'est une superbe idée de l'association qui a mis ça en place, c'est une superbe idée que de représenter, de nous présenter le peuple, on va dire le peuple afro-créole. On n'est pas, comment dire, on n'est pas minimisé, mais c'est bien quand il y a une action qui se fait pour nous, il n'y a pas souvent, donc on en profite. C'est pour ça aujourd'hui on se dit, je dis avec les musiciens et mes danseuses, on se donne à fond, on représente la Réunion, on représente le peuple africain, le peuple de l'océan Indien, c'est-à-dire Maurice, Madagascar, les Antilles, bien sûr la Réunion. Donc c'est pour ça que quand on m'a proposé de participer à cette semaine du printemps créole, printemps afro, c'est dur, mais je vais arriver, printemps afro créole, le reste je vais arriver. C'est pour ça qu'on a répondu tout de suite. Oui. C'est un projet qui dure depuis 6 mois. Voilà, aujourd'hui on est au jour J. J'espère que tout ça va bien se passer.